Alors, petite information avant de commencer cette vidéo, elle a été tournée encore dans la version 1.4.2. La version 1.5 n'était pas sortie, mais au moment où je suis en train de faire le montage de cette vidéo, tout ceci est sorti. Donc, malheureusement, vous aurez encore quelques vidéos, je crois que c'est 4, avant d'avoir la toute nouvelle version sur la 1.5. Bonne vidéo! Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Kerbal Space Program. Donc, je me suis renseigné pour pouvoir avoir les petits trucs que moi je veux. Il faut débloquer la tracking station ici, donc à 75 000. Et ici, notre autre tracking, enfin, notre, là c'était la mission control, là c'est le tracking station. Et voilà. Maintenant, ça va marcher, j'en suis sûr. Donc, alors, je vous avoue que j'ai fait plusieurs tests avant de faire cette vidéo. Enfin, j'ai fait plusieurs fois cette vidéo. Et j'ai pas envie de recommencer 20 fois non plus, pour vous. Enfin, que vous voyez pas 20 crashs différents. Alors, à chaque fois, le plus gros problème qu'on a, c'est revenir sur notre planète. C'est le plus gros souci. Je sais pas comment est-ce que je vais faire. Je crois que je vais encore augmenter ici d'une taille. Comme ça. Pour pouvoir vraiment avoir assez de carburant pour ralentir notre descente. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui peut... Alors, on avait... Ah, j'ai... Ah, si, j'ai ça. Ouais, ça, c'est Into Space. Mais ça, c'est dans... pour que ce soit dans l'espace, donc c'est pas assez utile. J'en ai ici. Ah ouais, ok, on va tester comme ça. C'est reparti. Hop, let's go. Alors, aussi pour décoller, c'est vrai que j'avais un peu plus de mal. Mais, j'ai trouvé évidemment la solution. Donc, j'active en fait d'abord celui-là avant de faire partir celui-là. Bon, TW, c'est parti. Voilà. J'essaie de mettre une résistance pour que ça ne tourne pas. Mais apparemment, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi il tourne dans d'un côté de plus que l'autre. Ah, peut-être que c'est ça avec ce poids-là ou des choses comme ça, ça part. Je ne sais pas. Hop là, on a réussi à le faire partir. Génial. Parfait. Ça se passe plutôt bien, franchement. Mettre 100 000 pour être sûr. Ok, hop, on tourne à fond. Quarante-huit mille, c'est pas encore assez. 79 000, 83 000, on va dire que c'est bon. Ok, on va tourner. Voilà. Et maintenant, on va tourner tout notre gros truc ici. Et puis, on va, normalement, il faut 1 minute, ça devrait être 1 minute. Donc, on va quand même commencer dès qu'on y est. C'est parti. Parce qu'on n'aura sûrement pas assez pour brûler le tout, pour faire le tour, et du coup j'ai pas envie qu'on soit un peu limite niveau... Ah ouais, on est déjà là. Enfin oui, non, on continue à monter. Ça va. Ah, j'espère
J'espère qu'on arrivera quand même bien là. Normalement oui, hein. Normalement ça devrait le faire avec celui-là et le petit supplément ici. Maintenant que ça explose tout le temps. Ok. Après, on doit quand même brûler pas mal. Comme si c'était bien ce moment là. J'espère que ça va le faire, franchement. Je l'espère de tout cœur. On est toujours en train de monter pour le moment. Bientôt plus, mais on monte toujours, donc c'est toujours bon signe ça. Normalement, ça marche à chaque fois. Hein. À chaque fois que je l'ai fait, en vidéo ou hors vidéo, ça marchait. Mais parce que je teste quand même 2-3 petits trucs avant, je vous avoue. Alors. Donc, l'idée, c'est que on parte après vers la Mune, là-bas. On fait juste un petit coucou, et puis on repart illico presto. On devra surtout, en fait, notre plus gros souci, ça va être la vitesse. Donc, je sais pas encore trop comment est-ce qu'on va faire. Mais on trouvera bien une solution en ce moment. Le plus gros souci, en fait, c'est vraiment de revenir et de pas être beaucoup trop rapide parce que sinon, lui, il explose. Je sais pas si. Ouais. C'est vraiment. On est beaucoup trop chaud, on va beaucoup trop vite. Donc, il faut qu'on essaie de se ralentir. Et du coup, ça c'est un peu plus embêtant. Mais on fera, on verra bien comment on fait. Hein. On trouvera une solution. Allez, on commence ici, c'est cool. Allez, on a bientôt fini. 70, 80, moi je suis content. Ici. 93, 96, et bah c'est presque parfait. Ok, on va quand même aller ici. C'est quand même beaucoup que je propose là. 2 minutes ça a fait ça, donc 48 secondes ça ferait ça. On va essayer de voir si on n'arrive pas proche de la Mune à un moment donné. Coûterait combien? 1021. Ah ouais, quand même. C'est quand même beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Parce qu'on est proche en fait. C'est pour ça. En fait. On est vraiment proche. On va faire ça. On va faire celui-là. 1 minute 21, ça veut dire qu'on doit à peu près à. Oh, on va dire 45 secondes lancées. Ah oui, qu'on n'est pas au-dessus. Oh là là, ça va lentement.
En tout cas, on est sur une jolie orbite. Ça, on peut reconnaître. Faudra aussi pas oublier de se redéplacer un peu avant le lancement. Ok, je vais arrêter le temps pour pouvoir me replacer. Ok, on va attendre. Et voilà. Je cherche pas à comprendre, je crois que j'ai fait déconner le truc. On oublie, on va garder ça comme objectif. Proche hein. Du coup quand on y sera vraiment très proche j'arrêterai parce que ça va augmenter en fait très rapidement même. Ah ben voilà on y est. Ok on accélère. On va avoir notre mission faite. Alors on va une fois voir ici combien ça va nous coûter de ralentir vraiment très bas. 40 secondes, on n'aura pas assez pour faire ça. Bon, déjà, on va se mettre ici. Alors je vais essayer de ralentir pour qu'on ait vraiment voilà, 35 000, je crois que ça peut peut-être un peu trop. Un peu pas assez plutôt. 58, on va le tester, on va tenter 58. Ok, on réaccélère à fond. Alors vous voyez, là c'est une seconde. Donc c'est vraiment cool. Et en fait l'idée c'est qu'on referme en fait vraiment on se rapproche de la Terre grâce en fait à l'attractivité de notre planète. Histoire de pas trop consommer, parce qu'on va en avoir besoin pour consommer justement la vitesse, par rapport à la vitesse où on est. Alors on est à combien? Évidemment, je me suis foiré. On va faire un warp jusque là. On va se mettre dans cette direction-ci, au cas où, mais normalement, en un coup, on n'aura pas réussi à ralentir assez fort.
le son s'est arrêté d'un coup. C'est fou. Ah ouais, ouais, ah merde, j'avais pas vu ça. Ok, regardez comment on accélère de fou. Alors, je sais pas ce qui a explosé, je suppose que c'est les petits trucs sur le côté. Et ça continue en fait à se rapprocher. Je sais pas si on va vraiment être attiré. Non, je crois pas qu'on va. Je crois qu'on aura une sorte de seconde chance, on va dire. Voilà. Hop là. Alors, on va se warper jusque-là. Alors, qu'est-ce qui a explosé? Il y en a un comme ça qui a explosé, ok. Donc, on est reparti pour être vraiment loin. On repart loin et on va refaire la même chose. En espérant que ça marche. C'est dommage parce que ça aurait vraiment pu fonctionner si on continuait à faire comme ça. Allez, j'espère qu'il va bien nous accélérer maintenant. Allez, j'espère que ça va aller un peu plus vite maintenant. On va voir si j'étais un tout petit peu. Ouais, non, ça, ce sera beaucoup trop. On va continuer à essayer de faire ce genre de choses. Par contre, c'est bien, mais on est un peu lent encore. Voilà. Ok. Du coup, vous allez voir qu'on va être très rapide de nouveau. Hein, et on a de moins en moins d'essence pour faire cette descente-là. Ouais, évidemment, comme un con, ce que je voulais faire, observer, etc., ça va pas marcher. Ouais, on va pas le faire maintenant. Ok. Si on n'arrive toujours pas à redescendre comme on a fait tout à l'heure. On va, on ne faudra pas oublier. Ok, est-ce que ça diminue ici ou pas? Ça diminue lentement, mais ça diminue. Là, il commence à chauffer, mais pas encore de trop. C'est petit à petit qu'on fait ça. Je vous avoue que j'ai pas envie de le recommencer une quatrième fois. Oui, parce que ça fait déjà 4 vidéos que j'ai essayé de le faire. Alors, on va essayer de vraiment augmenter le plus vite possible tant qu'on peut. Dès qu'on peut. On fait
Ok. Donc là, on va devoir faire ici pour pouvoir récupérer toute la science et tout. Et puis, je crois vraiment que, vu la vitesse où on allait, on peut peut-être, genre, ici accélérer, mais genre, un millième pour pouvoir diminuer encore un tout petit peu plus ici notre vitesse. Je crois que c'était à partir de 220 000, je sais plus combien. Allez, plus vite. Apparemment, c'est pas ça. Jusqu'ici. Suis con. Bah, je suis con. Peut-être qu'ici, on n'a encore pas trop. Ok, on va le faire ici. Ok, non, je me suis foiré. Bon. Oh là là. J'ai voulu accélérer juste pour pas perdre trop de temps et au final, genre, on en perd encore plus. Vous savez quoi? C'était quoi encore? C'était F4? Non, je sais plus. On va ralentir maintenant. On va commencer notre ralentissement. Ok, ça se passe bien. Je dis plus rien, mais ça se passe bien. On va très très... Enfin, on va en fait... On descend pas encore assez fort. Ça pour qu'on diminue vraiment notre altitude. Je crois que dès qu'on est arrivé à 30 000, c'est bon. Ok, je vais pas brûler tout parce que dès qu'on aura tout brûlé, il va complètement tourner en fait. Pour le moment, on va essayer de faire ça. Yes. On va pouvoir retourner enfin avec cette mission de juste toucher, enfin avoir vu la lune. Alors on va.
lâcher ça. On va lâcher nos petits trucs ici pour qu'ils nous ralentissent un peu. Et le gros ici. Voilà. Yes! Parfait. On a réussi. Ah, je suis content. Je vous avoue que j'ai vraiment... J'y croyais pas. Yes, on a réussi. Ok, on est à 25 minutes 30, 40. Ça va faire un peu mal niveau temps, mais bon, ça valait le coup. Deux épisodes auraient été trop. Alors, science, on a gagné juste 12 de science, parce qu'on a ramené quelque chose de la mine. Niveau argent, on a récupéré juste 6 000. Mais regardez notre argent. Alors, il a gagné 2 d'XP, je veux dire. Mais on a gagné quand même 225 000. Donc ça valait vachement le coup. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!